Alors, voici Davidoff. Prends ce bâtir sur Davidoff, c'est un fils de mon jeu. Alors, les fils de mon jeu, ça ne court pas les rues, et de moins en moins, puisque mon jeu, malheureusement, est mort. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui attire l'œil. Mon jeu, c'est un cheval de la région, il a été élevé en Bourgogne, mon jeu, sur le domaine de mon jeu. Vous connaissez l'histoire, vous avez l'affaire, gagnant du prix Val de Triomphe, gagnant du prix du jeu des clubs, gagnant d'Aéris Derby, mon jeu, phénoménal pensionnaire de John Mod, qui est devenu un très, très, très grand étalon. Vainqueur du lauréat du dernier épisode de Lyon, d'ailleurs, sous l'entraînement d'André Fabre. Ça faisait très très longtemps que les Français n'avaient pas gagné. Bien que finalement, vous gardez le sol, qu'ai-je dit, c'est la montre de Michael Barzalona, qui s'est tout doux sur le passage du poteau. Mais mon jeu perd champ phénoménal, ça on le sait tous, mais aussi mon jeu perd des talons. Je n'en citerai que deux, à part Davidoff, j'en citerai que deux, bien sûr, qui sont installés en France et dont vous avez tous entendu parler. C'est Motivator, issu de sa première génération. Motivator, la première génération de mon jeu, le père de Trèves. Tout le monde a applaudi sa victoire flamboyante dans le prix de l'Arc de Triomphe. Mon jeu, Motivator qui fait la même désormais à 15 000 euros au Hara du Canet, est un fils de mon jeu. Un autre exemple peut-être, oui, la même année que Motivator avait Rick and Roll, qui a très bien produit malgré son défaut de libido, qui a mis un terme trop précoce à sa carrière. Et puis, bien sûr, il y a Montmartre qui a réussi le plus fracassant en tant qu'étalon en 2013, avec une production de 2 ans qui compte 4 vainqueurs individuels, alors que lui-même n'a jamais couru 2 ans, et a saillie une jumenterie plutôt tardive, voire obstacle, lors de sa première année. Donc, mon jeu, on en parle beaucoup, mon jeu, c'est la référence. Mon jeu, mon saut, ce sont des chemins sûrs. Alors, lui, lui est un fils de Dapu, qui est issu d'une origine allemande. Hein. D'Aprima par Charles Danseur et une grande souche allemande très solide, très robuste. On retrouve d'ailleurs un cheval qui est venu dans l'obstacle. Vous savez que l'obstacle en Allemagne n'existe plus ou quasiment plus, donc pour avoir des chevaux allemands qu'on voit sur l'obstacle, une fois qu'on a la France en Angleterre, un certain Don Cossack, avec 2 S, son cousin, a gagné en 2013 un copain sur les obstacles anglais. Donc ceci, ce cheval, par mon jeu, est le cousin d'un groupe 1 sur les obstacles anglais en 2013, c'est plus récent. Et ce cheval qui nous dira 1,64 et qui nous est proposé par le rat de la Cameroun, en Moselle, ici Franck Van Arel, qui est là, son père est bien pas loin, et bien a lui-même déjà produit en obstacle, qui s'appelle Midnight du Moulin. Son premier vainqueur en obstacle, Midnight du Moulin, qui est gagné ici même à Moulin, certains d'entre vous l'ont peut-être vu d'ailleurs de leurs propres yeux. Ici même à Moulin, qui est élevé par M. Vainquiel, non pas le Vainquiel avec un W qui est président de la maison, mais M. Vainquiel avec un V qui élève en Moselle.